Le message des insectes. Nous sommes les insectes. Nous sommes des milliers, des millions d'espèces. À travers toute la planète, nous avons un rôle essentiel pour tout l'écosystème. Pour beaucoup d'entre vous, nous sommes effrayants. Vous avez peur de nous. Par méconnaissance. Nous ne sommes pas là pour embêter qui que ce soit. Sans nous, pas de fleurs, pas de fruits, pas de légumes. Nous sommes essentiels à la vie. Nous fertilisons, nous recyclons, nous enrichissons, nous pollinisons. Pour la majorité d'entre nous, nous sommes sans danger, même si nous vous impressionnons. Parfois, par peur, parce que vous êtes grand pour nous, vous êtes gigantesque. Alors pour défendre les nôtres, on peut parfois vous attaquer. Vous feriez de même, vous aussi, pour protéger les vôtres. Partageons le territoire entre toutes les espèces. Nous formons tout un écosystème, une vie. Aujourd'hui, si la planète est si belle, c'est parce que nous y avons notre part de responsabilité. Vous, humains, ne faites que détruire. Vous ne nous respectez pas avec toutes sortes de produits. Sur les terres. Vous nous éradiquez. Vous nous anéantissez. Sans nous, les terres ne sont plus fertiles. Pour nous, la vie n'est pas facile. Nous savons que nous sommes aussi les proies des oiseaux, des mammifères. Mais c'est avec ce sacrifice que la vie existe. En disparaissant, d'autres espèces, autres que les nôtres, disparaissent aussi. Les oiseaux, les mammifères, les plantes. Et un jour, vous, humains, disparaîtrez. Que se passe-t-il chez vous? Êtes-vous donc tellement aveuglé? Tout comme nous, vous venez de la nature. C'est elle qui vous a créé. Vous y avez vécu pendant des millénaires. Vous l'avez aimée. Elle vous a nourri, protégé. Humain, que vous arrive-t-il? Avez-vous oublié votre mère, la nature? Vous êtes-vous tellement déconnecté d'elle? Pourquoi? Qui oublierait sa mère? Vous ne cessez de détruire votre environnement, de polluer l'eau que vous buvez,
l'air que vous respirez. Vous n'êtes pas seulement en train de nous détruire, nous, mais aussi toutes les autres espèces. Humains, vous qui étiez autrefois tellement respectueux de votre environnement, de tout ce qui vous entourait, que vous est-il arrivé pour qu'aujourd'hui vous détruisiez inlassablement tout ce qui vous entoure? Nous, les insectes, sommes là pour vous servir, mais également pour servir la planète tout entière. Vous agissez comme si vous étiez propriétaire de la planète, alors que vous n'êtes qu'un simple locataire. Jamais la planète a eu besoin de vous. Mais vous, vous avez besoin de la planète, des autres espèces, et de nous, les insectes.